Sacrifice, avons-nous dit, libère la puissance. Amen. Le sacrifice libère la puissance. Donc, quand le sacrifice répond aux normes divines, eh bien, le feu de la puissance ne peut que tomber, rien ne peut le résister. Chaque fois que le sacrifice est agréable à Dieu, Dieu réagit agréablement en envoyant son feu. Dans 1 Roi, au chapitre 18, quand Élie a offert un sacrifice, nous sommes dans 1 Roi 18, 1 Roi au chapitre 18, à partir du verset 35, au moment de la 34, puis il dit, remplissez nos 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Quand tous les peuples virent cela et tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous sautons plus tard, il est dit, au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Et il y eut une forte pluie. Autre version dit, et il y eut une pluie averse. Donc il y eut une pluie averse, une grande pluie, une pluie abondante. Donc nous voyons dans 1 Roi 18, 1 Roi 17, s'il vous plaît, au verset 1er, la Bible dit, sur la parole d'Élie, l'Éternel est vivant et le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, par dirige-toi, dadadadadadada. Donc il y eut une grande sécheresse. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé des pluies dans le pays. Et nous lisons dans le livre de Jacques qu'il n'y eut pas de pluie pendant 3 années et demie. Donc pendant 3 années et demie sans pluie, chapitre 18, verset 1er, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et bien au verset 45, et il y eut une forte pluie. Oh, j'aime ça. Vous voyez, il y a un gap entre les chapitres 17, verset 1er, jusqu'au chapitre 18, verset 45. Il n'y a pas de pluie, sinon, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. La parole est déclarée. Au verset 7 du chapitre 17, eh bien, il n'y a plus de pluie. Chapitre 18, verset 1er dit, pendant 3 années, il n'y avait pas de pluie. Mais pour que la pluie tombe, vienne et descende,
Eh bien, il a fallu que Élie puisse se présenter devant l'Éternel, qu'il prie, mais en offrant un sacrifice. Eh bien, quand il a offert le sacrifice, non seulement l'Holocauste, il y a l'eau qui a été également répandue, l'eau qui était une denrée rare à cette époque, à ce moment bien précis. Eh bien, tout cela a été offert à Dieu. On a donné ce dont on avait besoin, ce qu'il fallait retenir. On a offert à Dieu l'élément le plus précieux. On a offert à Dieu le diamant de l'époque, l'or de l'époque, le coltan de l'époque a été offert à Dieu. Eh bien, Élie fait une prière, la Bible dit, le feu de l'Éternel tomba. Quand les sacrifices répondent aux normes, eh bien, rien n'empêche au feu de tomber. Que le feu tombe sur ta vie au nom de Jésus. Que le feu descende sur ta vie au nom de Jésus. Le feu tombera, le feu d'approbation tombera. Et quand le feu tombe, tout n'est pas encore réglé. Ce n'est encore le début de choses. Donc, c'est-à-dire, Dieu te donne un signe que je suis déjà à l'œuvre, que j'ai pris contrôle de la situation. Maintenant, va plus loin, demande. Je crois que certaines personnes ont déjà commencé à ressentir le feu de l'Éternel tomber sur leur vie pendant ces temps, alors qu'elles ne sont pas encore arrivées à la fin. La pluie n'est pas encore tombée. La pluie n'est pas encore tombée. La sécheresse est encore là. La maladie est encore là. Oui, c'est vrai. Les douleurs sont encore là. Les blocages sont encore là. Mais il y a le feu de l'approbation de Dieu. Vous vous ressentez plus pareil. Quelque chose a changé dans votre vie. Vous sentez votre manière d'approcher Dieu a changé. Il y a le feu de l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Comment je vais vous montrer encore là où le feu est tombé, l'approbation de Dieu. Les versets seraient plusieurs, parce que notre temps est court. Eh bien, quand est-ce que le sacrifice est agréable à Dieu? Parce que dans Psaume 51, on va lire Psaume 51. Dieu dit dans Psaume 51, Psaume 51, au verset 18 à 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, tu en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, des sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc Dieu n'est pas impressionné par ce qu'un homme peut lui offrir. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'un homme peut lui donner qu'il ne puisse avoir? Les cieux sont à lui et leur armée. La terre et ce qu'elle renferme sont à lui. La mer et ce qu'elle contient sont à lui. Que peut-on lui donner qu'il ne puisse avoir? À qui est-il, de qui est-il débiteur? Dieu ne doit rien à personne. Il n'a des dettes de personne. Donc personne ne peut l'amener à la cour. Voilà pourquoi quand Dieu dit « Allons, plaidons », il est sûr qu'il va gagner. Tu comprends? Personne ne peut dire « Tu as dit et tu n'as pas accompli ». Plaidons, prouve-moi que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Toi, il est toujours à la hauteur de ses paroles. Il a des promesses qu'il a faites et il est prêt à les accomplir. Et même dans son palais, il y a tellement de promesses qui manquent. Il y a tellement, je vous le dis, il y a des bénédictions qui manquent même, qui manquent de problèmes. Dieu a tellement de solutions en quête des problèmes. Donc ce ne sont pas tes problèmes qui amènent Dieu à trouver des nouvelles solutions. Non, 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 pas du tout. La Bible dit avant même que l'homme ne pêche depuis toute éternité, avant que l'homme ne pêche depuis toute éternité, le sang de l'agneau avait déjà été prévu pour être répandu pour la rédemption de l'humanité. Donc la solution était déjà là avant que les problèmes ne puissent se présenter. Je veux te dire, pour ton cas, il y a une solution qui est là avant ton problème. Et la solution est là, elle est présente. Tu n'as pas besoin de dire comment elle viendra. C'est toi qui ne connais pas comment elle viendra. Mais Dieu sait comment cette solution t'atteindra. Tu peux lui faire confiance et totalement confiance. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que je peux entendre un amen des pentecôtistes? Est-ce que je peux entendre un amen des églises de réveil? Alléluia, amen!
Dis à ton problème, ta solution a existé avant même que toi tu te présentes. Tu vois? Amen. Donc avant que... Eh bien, quand est-ce que les sacrifices plaît à Dieu? Puisque Dieu n'est pas impressionné par les sacrifices. Mais dis-moi, il veut que tu lui offres les sacrifices, mais quand est-ce que les sacrifices plaît à Dieu? Les sacrifices qui plaît à Dieu d'abord, tu dois t'offrir toi-même en sacrifice. Quand ta vie n'est pas offerte en sacrifice, toi-même tu dois être un sacrifice. Donc tu dois lui offrir ta vie en sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1er. Donc tu dois être toi-même un sacrifice. Tu dois aller à l'autel. Toi-même tu t'offres. Si tu ne t'es pas offert et que tu viens lui offrir un sacrifice, tu te joues de Dieu. Tu le vois comme un petit garçon qui est en quête de besoins. Tu dis non, 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 je vais répondre à ton besoin. Non, non. Il dit mon fils dans Proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. La chose dont le Seigneur a le plus besoin, c'est ton cœur. S'il n'a pas ton cœur, toute autre chose que tu fais, tu donnes l'argent, tu donnes tout, zéro. Il dit bien zéro, un grand zéro. Zéro. Ton cœur, où est ton cœur? Où est ton cœur? Dieu voudrait avoir tout ton être. La seule réponse valable au sacrifice de Golgotha, c'est l'offrande totale de soi. Dis Seigneur, me voici, je suis à toi. Amen. La deuxième chose qu'il faut considérer pour que les sacrifices soient agréables à Dieu, ton sacrifice doit être guidé par le Saint-Esprit. Quand tu veux offrir, il faudra que tu te rassures que le Saint-Esprit t'a orienté, t'a guidé, t'a conduit. Dans Luc au chapitre 4, nous lisons dans Luc au chapitre 4, au verset 1er, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc il a été conduit dans le désert, il est conduit, il fut tenté par le diable et pendant 40 jours il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc il a été conduit et savait qu'il y était pour un sacrifice. Il y est allé, il devait être éprouvé par la voie de ses sacrifices. Et remarquez ce qui s'est passé, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, oh j'aime ça, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 au verset 14. Donc, après que Jésus a fini cette période de sacrifice par le jeûne et la prière, remarquez, quand il a fini ces moments, remarquez, verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc nous voyons Jésus avant, il est Jésus. La Bible dit toute la plénitude divine habitait en lui. Donc sur le plan, comment je pourrais dire, il avait toute la nature de Dieu en lui. Mais pour opérer sur la terre, il ne devait pas opérer comme Dieu. Il devait opérer comme un être humain. Afin d'opérer comme un être humain, Jésus avait besoin de la puissance. Et bien pour cela, il a jeûné, il a prié. Au verset 14, revêtu de la puissance. C'est ainsi qu'il est allé maintenant. Il a commencé son ministère public. Revêtu de la puissance. Il est retourné en Galilée. Et sa renommée s'est répandu dans tout le pays d'alentour. Je n'ai jamais vu quelqu'un de puissant sans renommée. Il n'existe pas. Je le reprends. Je n'ai jamais vu quelqu'un de puissant sans renommée. Une église puissante ne manquera jamais de renommée. Que Dieu nous garde d'être une église de blablabla. Toc, 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 toc. Oh, Jésus va guérir, pas de guérison. Jésus délivre, pas de délivrance. Jésus révèle, pas de révélation. Je refuse au nom de Jésus. Nous voulons une église où Jésus se manifeste, où le Dieu invisible agit pour marquer sa présence, non par des faits visibles. Amen. Revêtu de la puissance. Étant revêtu, il pouvait faire la déclaration, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Je suis capable.
Donc la puissance, quand elle est sur toi, elle te rend capable de produire des effets, capable d'avoir des résultats. 3. Le sacrifice doit être fait dans l'obéissance. Donc non seulement on doit mener une vie d'obéissance si on veut sacrifier et que les sacrifices plaisent à Dieu. Non seulement je me suis offert à Dieu comme enfant de Dieu, mais moi-même, je marche dans l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15. J'espère que vous avez une Bible à vous vérifier. Hein? 1 Samuel au chapitre 15, au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu veut que tu marches dans l'obéissance. Ce n'est pas ces sacrifices qui t'impressionnent. Tu sacrifies, mais tu es impudique. Tu sacrifies, tu as une copine. Tu sacrifies, tu as un copain. Tu comprends? Tu sacrifies, mais tu as des conversations sales au téléphone. Tu sacrifies, mais au travail, tu n'es pas propre. Tu sacrifies, mais tu es jaloux des autres. Envieux, orgueilleux, arrogant. Tu sacrifies, tu es impoli, insoumis, infidèle dans tes responsabilités. Tu sacrifies, tu es têtu, une tête dure comme la boule de golf, tu comprends? Mais tu sacrifies. Car la désobéissance, il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Donc Dieu te veut d'abord dans la vie d'obéissance. Amen. L'obéissance est très importante. Eh bien, comment faut-il sacrifier pour que les sacrifices plaisent à Dieu? Tu dois sacrifier par la foi. 5. Un sacrifice fait par la foi. 5 ou 4, quelque chose du genre. 4. Un sacrifice fait par la foi. On doit sacrifier par la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, 6, que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire dans tout notre mouvement. Tout mouvement que nous faisons pour Dieu, et si nous le faisons sans la foi, cela n'est pas agréable à Dieu. Dieu n'est que content lorsque nous faisons tout mouvement par la foi. La foi, c'est-à-dire je prends ce que tu m'as dit et j'agis conformément à ce que tu m'as dit. Dans Genèse 24, Dieu dit à Abraham, Genèse 24, nous commençons à partir du verset 1er jusqu'en bas. Dieu dit à Abraham, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, quel détail, offre-le à moi en holocauste. Donc, Abraham devait offrir l'unique enfant à Dieu. Et Abraham, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Abraham obéit. Il n'y a pas de vraie foi sans obéissance à la parole reçue. La foi, c'est agir de manière conforme à ce que Dieu nous a dit. C'est de manière, nos actions doivent être correspondantes à la parole que Dieu nous a donnée. C'est ça la foi. Et l'obéissance est valable à Dieu lorsqu'elle est totale. Il n'y a pas d'obéissance qui puisse plaire à Dieu lorsqu'elle est partielle. Totale. Dieu veut que tu obéisses totalement. L'obéissance est agréable à Dieu lorsqu'elle est immédiate. On doit obéir immédiatement. Quiconque obéit après une semaine dans ce que Dieu lui a demandé de faire aujourd'hui, la personne désobéit. Amen. Et l'obéissance doit être non négociable. On ne négocie pas. Quand on obéit sans négociation. 5. C'est le cinquième point. Le sacrifice doit être sans défaut. Donc si nous voulons que notre sacrifice puisse plaire à Dieu, il doit être sans défaut. Lévitique 3, verset
6. Le sacrifice doit être un sacrifice d'une bonne, d'une agréable odeur devant Dieu. Et un sacrifice sans défaut. On ne peut pas venir et offrir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne lui offrait pas un animal chétif. On ne devait pas lui offrir un animal boiteux. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons Lévitique 3, 6. Juste un verset, il y en a plusieurs là. Donc, il fallait bien choisir en offrant à Dieu. On ne devait pas lui offrir quelque chose dont on voulait se débarrasser. Donc, il y a des gens qui offrent à Dieu des choses dont ils n'ont pas besoin. Tu n'as pas besoin d'une somme d'argent. Tu dis, de 20 dollars, je vais faire quoi avec? Je donne à l'église. Tout ce que tu n'aimes pas, là, c'est ce que tu donnes. Tu vois, tout ce qui est là, donc quand tu as donné, tu ne sens rien. Tu dis, ça c'est l'offrande. Tu vois. Et tu es étonné que rien ne se passe quand tu pries. Donc tout ce que donc, tu veux faire, tu fais. Donc ça ne pèse rien. Tu vois. En d'autres termes, le sacrifice doit être un sacrifice de grand prix. Amen. Il doit être un sacrifice parfait, de grand prix. Ça t'écoute. Vous allez remarquer une chose. Quand Dieu fait une demande, Dieu demandera toujours à quelqu'un ce qui va lui faire mal. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un quelque chose qu'il aimerait lui-même donner. Quand Dieu te demande, il te demandera toujours la chose que tu aimerais garder. Abraham, il a dit, donne-moi Isaac. Parce qu'Abraham voulait bien garder Isaac. C'est mon unique fils. Il dit, donne-moi Isaac. À Gédéon, il va donner les bêtes là, les chevreaux. Il dit, pas les chevreaux. Quand Dieu s'est révélé comme Jéhovah Shalom, il dit, maintenant tu connais que je suis Jéhovah Shalom. Offre-moi les taureaux de ton père. Les taureaux, au lieu des chevreaux, les taureaux. Qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce que ça coûte? Si ça ne coûte pas, ce n'est pas Dieu. Oh, Dieu m'a donné. Dieu m'a mis à cœur de donner 50 dollars. Ah, menteur, arrête. Dieu m'a donné 50 dollars. Même l'enfant qui va à l'école peut donner 50 dollars. Quand Dieu te demandera quelque chose, je t'assure, le cœur fera mal. Le cœur fera mal. Ouf, est-ce que c'est Dieu ou je me trompe? Est-ce que c'est Dieu ou tu me trompes? As-tu déjà donné quelque chose de ce genre? Ou ça fait tui? Un sacrifice qui ne parle pas n'a pas de valeur. Un sacrifice qui ne demande pas d'être délivré n'a pas de valeur. Le vrai sacrifice, comme Isaac, parlera. Mon père, tu m'amènes où? Tu m'amènes où? Tu m'amènes où, papa? Tu m'amènes où? Est-ce que ton sacrifice a déjà parlé? Et tu jeûnes là, tu ne sens rien. La vie est normale. D'ailleurs, tu jeûnes, tu grossis. Tu vois, c'est quel sacrifice là? Tu vois? Quel sacrifice? Que Dieu puisse t'aider. Dieu veut que tu puisses. Le sacrifice libère la puissance. Mais le sacrifice doit répondre aux normes. Et lorsqu'il répond aux normes divines, le feu tombe. Kaboum. Et lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, en train d'offrir sacrifice d'amour, sacrifice d'unité, est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, le feu est tombé. Excusez-moi. Le feu est tombé. Le feu est tombé. Il n'y avait pas de choix. Le feu devait être tombé. Les amis, quand le sacrifice est parfait, le sacrifice est parfait. Le feu est inévitable. Et je vous assure, le feu est inévitable. Le feu est inévitable. J'ai dit encore, le feu est inévitable. Et quelqu'un sortira de ce moment
transformé. Amen. Amen. Dis à moi, Dieu, remercie-le pour sa parole.